Yo les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Je vous l'avais dit, on allait partir à la chasse du Gohan LR. Comme tu peux le voir à mon nombre de Dragonstone, je suis parti faire un petit voyage en Asie, en Philippines. Et on est revenu, le coffre plein, évidemment, de Dragonstone. Et on veut essayer de dropper le Gohan LR. Alors, on va essayer, on va faire peut-être 300, 400 DS, 500 DS dans cette vidéo, on verra bien. J'espère pouvoir le dropper. Je pense que si je n'arrive pas à dropper avec les 2000 DS que j'ai là, je pense que je le laisserai mon tour et qu'on essaiera de le dropper plus tard, parce qu'il va revenir hein, dans d'autres portails, etc. Tout doublé, pas tout doublé, d'autres portails intelligence. Mais là, il me semble que le taux de drop est pas dégueulasse. Je crois qu'il est un peu descendu, il doit être à 0,8 au moment où je tourne la vidéo, quelque chose du genre, mais il reste toujours tellement plus haut que ce qu'il a pu être sur la version japonaise que c'est teinté récent. Alors, du coup, oui, juste pour revenir évidemment sur les Dragonstone, sur le Dragonstone low cost, ce ne sont pas du shit. En revanche, je ne vous conseille pas de les prendre. Tout comme moi, je sais qu'il y a un risque et que je peux éventuellement, dans l'avenir, être bannissable. Donc, je ne vous conseille pas de faire ce que j'ai fait en les achetant, sauf si vous en êtes sûr et que vous avez envie de prendre le risque. Voilà, moi, je l'ai pris. Si je suis ban, ça sera entièrement ma faute. Mais ce ne sont pas des DS cheatés pour le coup. Ça n'a rien à voir avec la duplication qui fut tentant sur quelques chaînes YouTube. Hein. Ce n'est pas du tout de la duplication. Pour le coup, c'est du véritable argent. En moins cher, mais c'est du véritable argent. Alors, les amis, c'est parti, on va invoquer sur le portail intelligence. Bon bah du coup, on cherche le Vegeta. On cherche le Vegeta et on cherche Gohan LR, parce que bon, on a eu en doublon le petit Gohan support. Donc voilà un petit peu ce qu'on veut. Et on va faire des multi-invocations évidemment, parce qu'on peut avoir deux vieux Kai aussi en même temps. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Donc c'est parti, je compte sur toi pour lâcher un maximum de pouces bleus. Objectif de la vidéo, 2000 pouces bleus. On reste pareil que l'autre vidéo, 2000 pouces bleus, ça serait bien, ça serait cool. Je compte sur vous les amis. Évidemment, je compte sur vous aussi pour vous abonner ou réabonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ou si vous avez été désabonné plutôt. Et me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, let's go, on y va. Première multi-invocation. Allez. On va essayer de dropper du Gohan LR. Ça tend par la droite, hein. Ça n'a jamais été bon signe pour moi en tout cas. Bon, derrière, ça a suivi d'un petit rainbow des familles. SJ2, pas de SJ3, je suppose. Donc à la vidéo précédente, on a fait 600 DS. On n'a pas eu de SJ3 et on a eu... Si, on a eu de bye bye les gars, on n'a pas eu de SJ3. SJ3, ça fait longtemps que je l'avais pas eu, je crois. Donc là, ça sent pas, ça sent la multi un peu courgette, hein, je te l'avoue. Ça sent pas très bon, tout ça. Quand t'enchaînes les petits chênes et guignoux d'affilée, il est tête de gland kiwi, hein, je crois que c'est le deuxième kiwi qu'on drop là déjà dans la multi. Ça sent pas très bon, hein, je te le cache pas. On commence, comme on l'a commencé d'ailleurs la première vidéo, sans SSR à mon avis. Le petit Boucolo, waouh, le Piccolo. Et donc effectivement, nous commençons par une multi assez qualitative, sur 20, hein, clairement. Une belle multi de merde. Allez, on continue. On est à 1900 Dragonstone. Shenron, ok. Cette fois-ci, on va pas enchaîner 3 multis sans SSR, comme j'ai eu sur la vidéo précédente. Allez, SJ3 peut-être? Pas du tout. Bon, au moins, on a un SSR. On a un SSR. Et c'est l'un des pires ever, le Cell Int. Eh ben, il ira sur l'aspect de mon Cell Tech, parce que mon Cell Puissance, c'est déjà SP 10. Bon, j'espère que c'est pas le seul hein, qu'on va avoir, sinon je vais avoir un peu le seum. Je te le cache pas. Je te le cache pas du tout. Allez, encore un Gohan support. Alors, je l'ai déjà eu deux fois, donc ça fait 3. Je monte pas son arbre. Je vais monter sa spé, même si je crois qu'on peut lui monter sa spé gratuite, mais je suis pas sûr. Je sais pas, je crois que si, avec les Gohan R là que tu drops, non, c'est pas le même nom. Maybe, maybe. Donc, je pense pas que je vais me faire chier à monter son arbre. J'ai d'autres priorités en intelligence. Je vais le monter sa spé, même si, comme je te le disais, je pense que les R peuvent monter sa spé à lui. Il s'appelle comment? C'est quoi son nom? C'est Sanguan Petit. Oui, il doit en avoir des Sanguan Petit à tirer la rigo pour monter la spé.
Enfin bref, let's go. La multi en soi est pas dégueulasse, hein. La multi en soi n'est pas dégueulasse, mais nous, on a déjà, on voudrait à la limite le Vegeta support. Le Vegeta support. Ok, Satan par la gauche, il se transforme. On voudrait le Vegeta support. Bon, évidemment, évidemment, le Gohan est l'air. Allez, let's go. Kamesseni. Ouais, Bujin. Couleur, j'en ai 70 milliards, mais bon, mon couleur est en Spédis, maintenant je m'en fiche un petit peu. À moi, ça me fera des sous, hein, parce que je vais les revendre un SSR, c'est Goku, le Goku SSJ. Lui, c'est pareil, je l'ai droppé 70 milliards de fois, mais c'est un SSR. Donc on prend. Est-ce que c'est le seul? Encore la vie d'elle. Putain, elle, je l'ai droppé 40 fois aussi, c'est pareil. Elle me poursuit, celle-là. Oh, le Vegeta intelligence, il veut pas dropper, hein. Incroyable. On a 4 multi, je crois. Le Vegeta intelligence ne veut pas dropper, mais c'est une multi encore correcte avec 2 SSR. Au niveau taux de drop, on se plaint pas, surtout que l'on vient de prendre un Shenron. Donc clairement, on est sur des bien meilleures bases que l'était la dernière vidéo. Ne nous plaignons pas. Allez, SSJ 1, SSJ 2, pas de SSJ 3, let's go. Ciao. Allez, allez, allez. On a eu Shenron, hein, donc on a un SSR, c'est sûr. La question c'est qui ça sera. Est-ce que ce sera le Vegeta Intelligence qu'on a toujours pas eu? Le Gohan LR? Docteur Gero, c'est pas ça qui nous intéresse. Il n'a toujours pas droppé le SSR de la multi, hein. On n'est pas bien. Encore le Goku, putain. Encore ce Goku, putain. Mais lâche-moi, lâche-moi. Casse-toi. On est marre de te voir. C'est le seul SSR de la multi, je suppose. Ok. Bon bah je sais pas ce que je vais en faire de ces Goku, hein. Je vais monter l'aspect du Goku Int le même peut-être, je sais pas. Encore Shenron. Ok. Ok, donc on est bon. Évidemment on récupère deux vieux Kai à chaque fois, hein. Allez. Bon, j'aimerais bien avoir le Vegeta quand même, hein. Même si j'ai pas de Gohan LR, au moins drop moi le Vegeta intelligence, ce serait bien. Ce serait agréable. Babidi. Guldo, allez. Ça c'est le frère de Vegeta, ça. Pas celui de Gonzo. Et lui, je ne le veux pas, j'en ai marre, il est déjà spédiste le mien, je ne veux pas, j'en ai marre de ce baby Vegeta de mort. J'en ai marre, j'espère que ça va pas être le seul SSR de la multi. Mais c'est parti pour... Oh oui, je crois que c'est le Vegeta. Nice. Ça fait plaisir. On l'a droppé, on va pouvoir renforcer la team Extrême Intelligence avec ce support. Parfait, parfait, parfait. Nice multi, du coup. Super Baby Vegeta et le Vegeta Neo support. Hop, on le lock. Nickel. Et bien maintenant, on est clairement à la recherche de Gohan LR. On est clairement à la recherche de Gohan LR maintenant, les amis. On va mettre 500 stones, hein, on va s'arrêter. Encore Shenron, putain, j'ai un taux de drop incroyable ce soir. Enfin, ce matin plutôt. Je tourne ça, c'est 11h du mat. Du coup, on s'arrête à 500, à 1500, je pense. Alors, dans la vidéo, on verra. On verra. Allez, Gohan LR maintenant. Maintenant, c'est Gohan LR ou Riot. Ginyu. Mister Boo. Putain, les couleurs que j'ai eues. On est 800 milliards. Bon, en même temps, on peut choper que du type intelligence, donc... Par contre, on a toujours pas eu... Encore un Gohan. Bon, ben voilà, encore un Gohan Neo support. Très bien. C'était le SSR de la multi. Toujours pas de Gohan LR en... Vu. Oh, le Gohan LR, le Gohan LR, putain. Encore deux vieux Kai. Bon, bah, encore un Neo support. Du coup, faut pas s'étonner d'en dropper plein, hein, avec le nombre de DS que je craque. Faut pas s'étonner. Encore un Shenron. Non, mais... Il est cassé, le jeu, là. Le jeu est-il cassé? Allez. Vas-y, envoie le pâté. Bon, moi, on a eu le Vegeta. On a eu le Vegeta. Ça fait plaisir. Encore ce Goku. Encore ce bon vieux Goku. Malheureusement. Est-ce qu'on va avoir un autre SSR dans la multi? Ou est-ce que c'était le seul de la multi-invocation? À tout moment, un Gohan LR peut pop. À tout moment, il peut pop. Mais j'ai ton intelligence, ok. Ce n'est pas Gohan LR. Je suis désolé, ce n'est pas Gohan LR. Lui non plus, hein, le maître de la grue, on te connaît.
On te connaît, mon ami. Tu n'es pas Gohan LR. Ok, donc encore une multi avec deux SSR. Donc, j'ai eu qu'une seule multi sans SSR. Donc, espérons que ça ne sera pas la prochaine. Parce qu'en général, quand je dis ça, derrière, je prends la courgette. Allez. Satan par la gauche. Je te transforme pas. Normalement, c'est bye bye, les gars. En théorie. Allez, bye bye. Pas du tout. Alors là, du coup, par contre, c'est la full PLS parce qu'on est sûr de rien avoir. Donc, on va vite la passer, cette multi-invocation. On est sûr de pas avoir de SSR. Bon, bah, voilà. Évidemment, à chaque fois que je dis quelque chose, derrière, je suis puni. Je suis directement puni. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 4 capsules. Allez, il se transforme. Allez, Gohan LR. Il nous faut Gohan LR. Je l'ai jamais eu sur aucun de mes comptes, enfin si sur le compte qu'on m'a donné sur la Jap. Mais moi j'ai jamais drop. Allez, Ginyu. Est-ce qu'on va avoir un SSR dans ce multi? Et est-ce que ça sera Gohan LR? Allez, à tout moment il arrive avec sa belle tenue de Piccolo. Docteur Gero. Vegeta. Allez. Non, là j'ai l'impression que ce sera pas de. Il n'y aura pas de SSR les amis. Deuxième multi sans SSR. On a quand même eu un taux de drop assez fat, donc du coup on va pas se plaindre. On va faire la dernière multi de la vidéo. On aura mis 500 DS, on l'a toujours pas eu pour l'instant. On continue la chasse. Là il y a eu 5 aussi capsules, je sais plus. La chasse est ouverte pour l'instant les amis. On a eu les deux nouveaux supports. Mais on n'a pas eu le Gohan LR. La chasse continue. Certainement en live lundi soir ou dimanche soir ou ce soir d'ailleurs. En invocation. Enfin ce soir, je sais pas quand est-ce que je mettrai la vidéo. Donc je sais pas quand est-ce que pour toi tu vas la voir. Ok. Pas terrible tout ça. Encore un Goku. Encore un Goku. Nous on n'aime pas vraiment ça. On n'aime pas vraiment ça les gars. Allez. Trunks. Est-ce que c'est le seul SSR de la multi? Voilà, ça sent pas bon, hein. C'était le seul SSR de la multi. Ok, ok, ok. Donc pas de Gohan LR priori dans cette vidéo. On va retourner le chasser un peu plus tard, les gars. En tout cas, je compte sur toi pour lâcher le pouce bleu des familles, à t'abonner si c'est pas déjà fait ou à te réabonner. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live, je sais pas comment je le ferai. Chasse au Gohan LR, voilà. Biscuits of Peace, ciao.